Vous l'air d'être tout à fait en contrôle. Le stun qui n'est pas passé, on va directement hard commit. Là, il n'y a pas de retour hein, vraiment pour Agressivo. On proc la BRK et la move speed. Mais il y avait un jungle tapis dans l'ombre. Mais attention, la Irelia qui se retourne. La Irelia littéralement 1v3 qui parvient à récupérer un kill, peut-être un deuxième. On a le droit d'y croire pour Agressivo. Il récupère ses cooldowns. Oh là 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 là. Classique. Pourquoi pas choisir Damwon pour les fesser hein, allègrement. Exactement ce qu'il va attendre. J'ai hâte de voir Birdle contre Zeus là. Et une game qui semble ne plus pouvoir leur échapper. 3 items sur 3 items et demi ouais. Sur la veine de oula. Encore un. Au closer qui va aller très très loin, on se repositionne ouais, pour Faker. Carré. Oh les mouvements, oh les mouvements, il est où bah, c'était passif. Ok, non, c'était passif, on a juste switch de vision, il a pas le droit de s'en sortir. Il n'a pas. Oh mais les mouvements. Il les petits pas. T'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ils sont trop nombreux. Oh mon dieu. Mais les mouvements, il a gagné tellement de temps. Pendant que Honor va prendre un autre solo kill, on continue son montage play. Il est arrivé de Chico sur le flanc. Dans le flanc ici c'est beaucoup plus prometteur. On arrive à poser un fear sur Smiley. Agressivo. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Regardez ça. Smiley, l'arrivée de Chanchi, ça coupe le fight. Agressivo, Agressivo arrive à clutch. Agressivo. Monumental triple kill. Excusez-moi, suffisant avec un stab. Agressivo. Quadra kill. Pas de penta pour le top player des BDS Academy. Pas de second penta kill. Maintenant c'est au tour de Chanchi. Ça poke, on essaie de trouver une re-engage, le dragon qui a reset, Honor qui se repositionne, attention Dove qui peut peut-être trouver un flank avec son trim d'amère, le dragon a été récupéré, oh, on re-engage le closer, on n'arrive pas à toucher pour l'instant, par contre ici on a un carry très tanky qui trouve quand même un très bon ultimate et on va pouvoir connecter du côté de Honor, le king est magistral et les sandbox qui se font oblitérer, c'est un ace parfait de la part des T1, seul Kyria ouais. Est tombé, mais quel teamfight de leur part. Le pouce. Le GOAT, le pouce. Let's oh, double pouce. Double pouce. Double pouce. Calipush, MT2, il arrive là, Diplex avec son trinket rouge, il n'est pas vu pour l'instant. Il n'est pas vu pour l'instant, Diplex toujours pas vu, Skins qui peut avoir un flanc aussi relativement intéressant. Jack Troll encore une fois qui prend beaucoup de dégâts par le Victor, il force le flash, par contre de Diplex qui met beaucoup de dégâts, il faut sauver le soldat Chey qui est en grande difficulté ici, il va tomber d'ailleurs sous les coups de cette Akeli. Zygonda fait un énorme boulon dans la mêlée, mais c'est surtout Diplex qui rentre sur la backline qui tue. Mais Moonlight, quel boulon, quadruple kill de Diplex, le teamfight est incroyable, son flash line sur Chey qui était impressionnant et c'est peut-être la game pour les Vitality. Au T1. Ils sont là. C'est l'équipe numéro 3. Zeus, bien sûr. La le Z de Zeus, l'aigle de Honor, Faker. Et voilà. Et le cœur de Kyria. Faker toujours. C'est le détail moi, que j'aime beaucoup. Les chaussures différentes pour le GOAT, pour le capitaine. Donc ouais, ça va pas être simple. Ça me fait penser à la game 1. Même si c'est un. C'est meilleur, c'est que t'es debout. Et je suis littéralement à ta taille. Mais, non, mais si je me mets debout, je suis même plus dans le cadre. C'est exactement la même chose que si on est assis. Hein. C'est la vraie échelle, ouais, mais je suis mieux debout. Mon ego est plus heureux. Mm-hmm. Mais comment ça? Attends, mais Carla, je me demande de m'asseoir par rapport aux lumières. Ouais, c'est ridicule. C'est un cringer. Et non, Kyria qui va tomber. Hein. Honor dans son duel face à Kingen. L'arrivée de Goumaou, la scène de corruption ici. Au milieu de la jungle, les Fakers qui cherchent un angle également pour poser le météore. Ah, Zeus qui se balade également, le kill récupéré par un Faker. Et Honor. Oh, ça plot. Le proc du dragon extinct. Effectivement, Honor est au contact. On gagne du temps et derrière, oh, c'est bon. Qui en profite, le double kill est là en faveur de Faker. Piocé qui doit reculer. Mais il me semble oui. Que nous sommes, mesdames, messieurs, le 18-0 des T1. Ils écrivent une nouvelle page de l'histoire de la LCK, le 18-0. On danse, on est nu. Et sur un 8-0-6 de Faker, les T1 arrivent à toucher, arrivent à attendre